Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment faire une URL raccourcie. Donc ici, je suis dans Teams et j'ai créé une rencontre virtuelle. Je vais aller la modifier et je vais aller récupérer mon lien qui se trouve ici. Donc, bouton de droite, copier le lien. Ce lien-là est très long. Donc, si je l'envoie à quelqu'un, il ne peut pas essayer de le taper, là, c'est beaucoup trop long. Donc, une URL raccourcie pourrait être très pratique si j'aimerais que, par exemple, les parents de mes élèves puissent taper l'adresse pour la rencontre virtuelle. Donc, je viens de fermer et je vais aller sur le web et je vais rechercher quelque chose qui me permet de faire une URL raccourcie, tout simplement. Donc, je pourrais utiliser ici Kotli, qui est ici, ou encore Bitly, qui est un site que j'aime beaucoup. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'ici, je n'ai pas besoin sur Kotli de me créer un compte. Je fais bouton droite et je fais coller. Et vous voyez, mon lien très long vient de se coller et je fais raccourcir. Et il est maintenant très court. Donc, c'est ce lien-là que je vais copier et envoyer à mes parents. Bitly, de son côté, bitly.com. Donc, je peux me créer un compte gratuit. Donc, ici, une fois que mon compte est créé, je vais cliquer sur Create. J'ai le bouton de droite Coller. Donc, mon lien long vient de se coller. Et là, j'ai mon URL raccourci qui m'est offert. Ici, je peux m'ajouter un titre. Et voilà, et je fais Save. Une fois que je vais enregistrer ce lien-là, il va apparaître ici. Donc, j'ai ici tous les liens que j'ai déjà de créés et je vois également le nombre de clics qui a été fait sur chacun de mes liens. Donc, ça me permet aussi de voir si les gens l'ont utilisé et je peux voir exactement même quelle journée. Donc, j'ai un petit tableau ici pour voir les journées où il a été le plus cliqué. Donc, voilà, c'était comment créer une URL raccourcie.